Bonjour et bienvenue sur le Daily Movies qui présente sa 4e émission Zoom. Cette fois-ci, on va parler musique. On va un petit peu mélanger les genres, puisque en cette fin d'été, et oui, c'est déjà le cas, va sortir Blinded by the Light. Le projet a démarré en 2010, avec notamment la réalisatrice Gurinder Chadha. C'est celle qui avait fait, au milieu des années 2000, l'excellent Joula comme Beckham. Elle s'est associée donc avec le journaliste Zarfraz Manzoor, né en Angleterre mais d'origine pakistanaise. Il avait déjà à l'époque eu l'envie d'adapter son vécu au travers d'un film mais ne savait pas trop comment s'y prendre. Et donc 9 ans plus tard est né Blinded by the Light. You still coming to my party tonight? Yeah, of course. Emma's mates are coming and I know one who would be perfect for you. She's not fussy. Really? First day, start at the top and stay there. Stay away from the girls! I want to be a writer, but my family is stuck in another century. Writing isn't a job. I need you to do more. Make a wish, beta. Kiss a girl and get out of this dump. Bruce is the direct line to all that's true in this shitty world. Seriously, what does he know about our world? You should be listening to our music before you start getting confused and hating yourself. I listened to everything. I can feel it all right here. It's like Bruce knows everything I've ever felt, everything I've ever wanted. My poems, they're not brilliant, but they're mine. Do you think that this man sings for people like us? But he talks to me. You cannot be serious, mate. My dream was to come here and work hard for my family. If you don't try to fix this, we will lose our son for good. This guy is incredible. You've never heard lyrics like his. Is that Billy Joel? Billy Joel? You try and raise your kids right, Jay. Bruce sings about not letting the hardness of the world stop you from letting the best of you slip away. My hope is to build a bridge to my ambitions, but not a wall between my family and me. Purpose of your visit? I'm going to see Bruce Springsteen's hometown. I can't think of a better reason to visit the United States than to see the home of the boss. Traps like us. Baby, we were born to run. Did you write that? I've told you before, your lyrics are rubbish. That didn't even rhyme! Alors, attention toutefois avec Blinded by the Light, ce n'est pas forcément une bonne idée de le comparer avec le méga succès de Bohemian Rhapsody ou plus récemment Rocketman. Même s'il s'agit de films musicaux à chaque fois, ils ont tous leurs différences. La majorité du tournage s'est fait à Luton, une petite ville en Angleterre qui donne l'impression, en tout cas dans les années 80, d'être assez paumée. Elle se fait sur fond de licenciements massifs, de problèmes d'entreprises internationales, de la montée du racisme et évidemment de musique. Mais pas que rock, parce que, bien sûr, ce genre musical est ultra présent, mais on découvre aussi le genre Bollywood, le genre Bollywood des années 80. En tête d'affiche, un jeune inconnu, puisqu'il n'a tourné que 4 films jusqu'à présent. Mais pour Blinded by the Light, sa performance est vraiment, vraiment bluffante. Et entre la reconstitution des décors, la reconstitution de l'époque, des paroles et la gestuelle, on a vraiment l'impression d'être plongé dans cette période des années 80. Bien sûr, il y a le côté pakistanais qui ressort dans l'histoire, le côté mariage forcé, le côté études imposées par les parents pour le bien de leurs enfants. Je vais pas entrer déjà dans les détails parce que ce serait trop dévoilé,
mais tout ce mélange fait que ce film fonctionne à merveille. Au niveau de la composition musicale, il n'y a franchement pas de nouveaux titres incroyables à découvrir. Elle a été faite par A.R. Rahman, qui est un compositeur indien que l'on connaît au niveau international, surtout pour Slumdog Millionaire. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil en rapport avec certaines de ses bandes originales, récentes ou pas. Et puis bien sûr, il y a énormément de morceaux de Bruce Springsteen qui sont diffusés dans le film et qui ont toujours un lien avec les séquences que jouent les comédiens. Blinded by the Light est à percevoir comme un film, comme un feel-good movies en fait, ni plus ni moins. Pour terminer cette quatrième émission, encore une fois, Blinded by the Light est plutôt un film à voir en version originale. Pour les accents anglais, pour les accents pakistanais qui sont très travaillés et dont ce n'est pas forcément le cas à la base par rapport au casting. Voilà, merci de nous avoir suivis et au plaisir sur Zoom. Purpose of your visit? I'm going to see Bruce Springsteen's hometown. I can't think of a better reason to visit the United States than to see the home of the boss. Traps like us. Baby, we were born to run. Did you write that? I've told you before, your lyrics are rubbish. That didn't even rhyme!